La bonne chose, c'est que j'avais déjà été souvent contacté pour des films se passant en Mongolie, pour l'histoire de Gengis Khan et de Attila. Donc j'avais déjà beaucoup lu sur la steppe mongole. Et en ce qui concerne la période, qui est la période de la révolution culturelle, là aussi, j'avais beaucoup de propositions de faire des films sur Mao, Madame Mao. Et donc j'avais déjà plusieurs années d'avance. Et ensuite, ce qui a été très agréable, c'est que je suis allé visiter cette région très très isolée de Mongolie en compagnie de Jiang Rong, l'auteur du roman autobiographique. Donc je suis allé dans les lieux où s'est passée la véritable histoire, qui sont des lieux d'une incroyable beauté. Et j'ai pu, pendant 3 semaines, rencontrer tout un tas de gens qui avaient vécu cette histoire. J'ai pu rencontrer aussi des spécialistes des loups, car les loups ont régné dans cette région du monde. Jusqu'à très récemment. Pendant des millénaires, ils ont été les véritables rois de la steppe. Et c'est de ça que parle ce livre. Un film est un objet différent d'un livre. J'ai eu les mêmes réactions quand j'ai travaillé sur Le nom de la rose, qui était un livre mythique. Aussi, quand j'ai travaillé sur un film comme L'Amante, là, ça s'est passé de manière, sur ce dernier film, encore mieux. Je crois que les gens maintenant sont plus habitués à comprendre que un très bon roman ne donne pas nécessairement un très bon film, que parfois un très mauvais roman donne un film génial. Et que un livre magnifique peut être une catastrophe cinématographique. Donc, là-dessus, je crois qu'il faut être sincère à sa lecture. Je ne peux pas être dans le point de vue de tous les lecteurs, je suis dans le point de vue du mien, de ma lecture à moi. Et c'est à ça que je suis fidèle. La Mongolie, au sens propre comme au sens figuré, m'a donné de l'oxygène. Et l'envie d'être une herbe, une fleur, un ciel bleu avec des nuages, un loup. Je dois vous avouer que depuis 4 ans, je n'ai vu qu'un seul film, c'était les images du mien. Je suis totalement coupé du monde quand je tourne. Évidemment, j'ai grandi dans l'amour des films de David Lean, de Kurosawa, de John Ford. Et donc, je transporte avec moi ce désir de cinéma fait pour le grand écran. Et ce cinéma d'évasion, où l'on peut s'abstraire de la vie quotidienne pendant 2 heures. C'est pas, on fait pas beaucoup de films comme celui-là de nos jours. On fait beaucoup de films d'effets spéciaux. Donc les films de grand espace comme ça sont assez rares. Le dernier auquel je puisse penser, le film de Sean Penn, qui lui avait un profond sentiment de nature. Le cinéma français est encore héritier de cette nouvelle vague qui n'en finissait pas d'être nouvelle et qui n'a pas formé beaucoup les metteurs en scène, à part mon ami Luc Besson, à faire des films de format international, avec de l'action, avec des acteurs célèbres. Mais le cinéma français garde un formidable dynamisme et se spécialise maintenant dans des comédies charmantes.
et dans des films qui sont moins ardus que ce qu'ils étaient dans les années 70, où nous avons traversé une période un peu difficile. Là, il y a un renouveau extrêmement puissant d'un cinéma français, bien fait et intelligent, dont je suis personnellement fier pour mes confrères.